Bon, vous m'entendez? Bon, ben, c'est parfait. Ben, je démarre. Alors, bonjour, hein, bonjour à tous. Je suis Valérie Genoux. Je suis actuellement directrice des ressources humaines à l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, où je développe des projets data RH. Et auparavant, j'ai beaucoup travaillé dans l'organisation et l'accompagnement du changement. Et donc, je vais laisser Raphaël Berthelon se présenter avant de lancer, notre débat, finalement, puisque du fait des circonstances, nous ne sommes pas cinq, mais nous sommes toutes les deux. Raphaël, je vous laisse. Bonjour à tous et merci pour votre présence. Donc, moi, je suis Raphaël Berthelon, secrétaire national confédéral à la CFE-CGC, donc en charge de l'économie, l'industrie, le numérique et le logement. Donc là, plus spécifiquement le numérique qui nous préoccupe. Et au sein de la Confédération, nous avons beaucoup travaillé sur les sujets d'intelligence artificielle. Donc, et en particulier avec un projet européen qui est en cours de finalisation, qui s'appelle Secoyadil, servir la confiance dans l'IA par le dialogue, et que nous menons, nous avons mené aux côtés de partenaires qui sont, je vais peut-être les citer, donc c'est c'est sur fond de financement de la Commission européenne, hein, donc un projet européen. Et nous sommes embarqués dans ce projet avec l'IRES, l'Institut de recherche économique et sociale, un think tank et doutank qui travaille notamment avec les organisations syndicales qui s'appelle Astré, et puis l'UDP, donc l'Union des professions libérales et chefs de petites entreprises. Et puis le syndicat italien, la CIDA, qui est un syndicat de cadres, mais plutôt cadres dirigeants. Voilà. Voilà, donc c'est avec tous ces partenaires, et je pense qu'on aura l'occasion de parler de ce projet, de ce qu'on en a retiré de cette longue réflexion pendant 18 mois. Voilà. Merci. Donc, le dialogue social. Le dialogue social, c'est important dans la vie de l'entreprise. C'est le lieu privilégié où on va dialoguer et partager de l'information, des projets, de la connaissance. Et il nous est apparu intéressant d'échanger avec vous, c'est est-ce que les acteurs du dialogue social aujourd'hui se sont emparés de ce sujet de l'intelligence artificielle qui est le sujet important aujourd'hui pour tous les acteurs du dialogue social. Donc, est-ce qu'ils s'en sont emparés et est-ce qu'ils en ont une vision partagée? Est-ce qu'on peut commencer par ça, Raphaël? Oui, alors nous, on s'est intéressé à ces sujets d'intelligence artificielle très tôt au niveau de la CFE-CGC, dès 2016, en fait, en organisant un certain nombre de conférences, ce qui nous a conduit d'ailleurs à travailler avec le LabRH et à coécrire une charte éthique et numérique RH avec le LabRH. Et puis ensuite à postuler donc dans le cadre de cet appel à projet de Secoyadil auprès de la Commission européenne qui est spécifiquement justement sur l'intelligence artificielle et le dialogue social et en quoi en fait cette intelligence artificielle va un petit peu transformer et bousculer, si je puis dire, le dialogue social. Alors justement, en quoi l'intelligence artificielle, finalement, est-elle un objet différent de changement par rapport à d'autres changements qu'on a pu connaître dans l'entreprise et où, qu'on a su accompagner, finalement? En quoi l'intelligence artificielle est-elle si différente que, finalement, on a du mal à s'en emparer?
Alors, sur les différences, en fait, déjà, la première chose, c'est que souvent, il y a cet aspect un petit peu, enfin, que je vais mettre des guillemets, mais boîte noire, qui est parfois aussi un peu surjouée. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, quand on gratte un tout petit peu, qu'on qualifie d'IA des choses qui sont, enfin, moi qui suis statisticienne de métier, qui sont juste un tout petit peu de la statistique et pas forcément à proprement parler. D'intelligence artificielle, donc on voit bien que c'est entre guillemets il y a ce côté boîte noire, mais il y a aussi d'autres aspects. Il y a l'aspect de temporalité, parce que quand on est dans des logiques de système dit auto-apprenant, en fait on est en évolution perpétuelle, et donc il y a forcément une nécessité d'adapter le dialogue social pour avoir un suivi en continu. Pour ça que dans notre projet aussi, on fait la recommandation d'une, ce qu'on appelle d'une clause de revoyure, pour vraiment être sûr de pouvoir suivre en continu et de bien suivre les évolutions. Et puis, on le voit, dans notre projet, nous, ce qu'on avait, puisqu'on présente aussi une manière d'aborder les choses, et on avait abordé le sujet de l'intelligence artificielle dans le cadre du dialogue social sous deux aspects, sous l'aspect, bien évidemment, transformation des métiers, mais on est allé beaucoup plus loin, c'est aussi transformation des organisations. Et puis aussi transformation des modèles d'affaires, parce que on est sur des transformations qui font, j'ai envie de dire, exploser les frontières. Alors pour donner des exemples, si vous prenez le cas de Michelin par exemple, qui va mettre des capteurs sur ses pneus. En fait, les capteurs sur les pneus de Michelin, ils vont pouvoir faire le lien directement avec la direction de l'équipement et dire en instantané, ben voilà, il y a un nid de poule à tel endroit où voilà, la route n'est pas en bonne forme. Et puis de l'autre côté aussi, il va pouvoir envoyer éventuellement des données directement à la compagnie d'assurance pour savoir si, enfin, et en déduire aussi la conduite de l'assuré. Donc on voit bien que de constructeur de pneus, avec les données qu'un simple pneu va générer, on a des frontières complètement différentes, enfin des frontières qui s'ouvrent. Et en ce sens-là, nous, on a même expérimenté un dialogue social qu'on a imaginé, qui n'existait pas, mais qui est un dialogue social au sein d'une filière. On avait avec nous, donc je l'ai dit, en partenaire l'U2P, l'Union des travailleurs de proximité et des professions libérales. Et le président de la Fédération des réparateurs automobiles dit, moi, dans l'utilisation au quotidien de l'intelligence artificielle, m'apporte de. J'ai un gros sujet, un gros débat avec les assureurs. Et qui n'arrivait pas véritablement à résoudre. Donc, on a expérimenté un peu un dialogue avec entre la Fédération Réparation Automobile, France Assureur. On a même aussi dialogué aussi avec le médiateur pour voir les incidences aussi de l'assurance, pour voir les incidences aussi que ça pouvait avoir aussi vis-à-vis du consommateur et de l'assuré. Et là, on s'est aperçu très, très concrètement qu'en fait, il y avait une nécessité de dialoguer, parce que tout bonnement, en fait, l'assuré venait, avait déjà un devis déjà établi par l'assuré. Par l'assurance, il disait on me rembourse de temps. Et puis quand il arrivait chez le réparateur, il disait attendez, vous avez envoyé vos photos, l'intelligence artificielle a dit qu'il y avait ça, mais moi quand j'ouvre le capot, il y a pour le double de réparation. Donc comment on fait quand c'est comme ça? Et on a vu qu'il y avait besoin entre professionnels, à l'intérieur même d'une filière, de dialoguer. Donc c'est un exemple en fait de en quoi c'est différent.
ne serait-ce que par, par cette approche business, en fait, qui, est, qui fait exploser les frontières. Voilà. Donc, on voit bien, effectivement, que l'IA fait exploser les frontières dans une vision filière. Mais moi, si je reviens sur mon prisme RH à l'intérieur de l'entreprise, on voit bien que les frontières, elles explosent aussi à l'intérieur de l'entreprise parce que on va travailler différemment. Ça apporte du mode agile. Ça apporte aussi une vision beaucoup plus transversale dans l'organisation du travail qu'elle existe souvent, qui existe moins souvent dans nos entreprises qui ont beaucoup plus une vision hiérarchique et de verticalité. Ça va changer les process de décision. Et tout ça, c'est effectivement comment on peut partager effectivement cette vision avec les parties prenantes, puisque les managers, les décideurs, les collaborateurs et les organisations elles-mêmes, les organisations syndicales elles-mêmes, finalement, sont confrontées à cette vision qui évolue. Donc, quels pourraient être effectivement nos, nos outils et nos leviers pour faciliter la prise en main par, dans le dialogue social de cette révolution qui peut être l'IA dans l'entreprise. Et avec un zoom qui me paraîtrait quand même important, c'est comment on développe la confiance dans, dans cette vision partagée qu'on peut avoir de l'IA. Alors, oui, cette vision partagée, elle est essentielle parce que, effectivement, j'ai démarré en, en parlant de cette notion de boîte noire et la, le premier enjeu, c'est de démystifier et de vraiment mettre en place ce qu'on va qualifier de, d'acculturation. Et à tous les niveaux de l'entreprise. Vous le disiez aussi, cette, cette interdisciplinarité. Et en fait, nous, dans nos travaux au cours de ce projet européen, on s'est attaché aussi à regarder l'aspect de transformation des métiers. Donc, on a fait des expérimentations, notamment, par exemple, sur le métier de pharmacien, comment cela se transforme. Et en fait, on s'est aperçu que déjà, il faut raisonner en termes de tâches et pas pour véritablement bien analyser au niveau le plus fin comment toutes ces transformations s'opèrent. Donc, parce que y a, dans cette démystification aussi, il y a la crainte pour les salariés de perdre leur emploi. Et donc, il faut, entre guillemets, les associer et les rassurer pour leur dire non, c'est une transformation de ce que je vais qualifier d'une sorte d'hybridation. Donc, on va bien avoir très certainement aussi, enfin, les premières études le montrent aussi, une montée en compétences. Hein, c'est-à-dire qu'on on va pas faire, on va pas appréhender le travail de la même manière. Et donc, au sein de, au sein du dialogue social, on va avoir, je dirais, plusieurs manières d'aborder. C'est-à-dire qu'on va avoir déjà l'objet même du dialogue. Qu'est-ce qu'on y met dedans ? Donc, la transformation des métiers, enfin, la formation, la transformation des métiers. Et puis, ce que j'expliquais aussi, la temporalité, les moments, c'est-à-dire que au moment de l'implémentation d'un nouvel outil. Et là, j'ouvre une parenthèse, mais en fait, on se trouvait, nous, dans le cadre du projet, en même temps que la mise en œuvre, enfin, de l'IA Act, enfin, du futur règlement sur l'IA, qui va être extrêmement structurant, hein, avec une approche d'autorégulation. Et donc, nous semble-t-il, les partenaires sociaux vont, dans cette approche d'auto-régulation à laquelle va devoir répondre l'entreprise, les partenaires sociaux vont certainement avoir une place importante à jouer. Et puis, le troisième sujet, donc j'ai dit les thématiques, les moments, et puis aussi les acteurs. Parce que, et là, je renvoie encore au règlement européen sur l'IA, c'est en fait toute la relation avec les fournisseurs.
Et en fait, ce n'est pas parce que le fournisseur de système d'IA va donner à l'entreprise et en gros, l'entreprise va dire, bah non, le fournisseur a très bien fait son job. La responsabilité, il ne faut pas oublier, elle sera la responsabilité de l'entreprise, même s'il y a une responsabilité du fournisseur, mais l'entreprise qui mettra en place un système, il ne faudra pas qu'ils disent non, non, mais le fournisseur a tout bien fait, a très bien fait les choses, et moi, je m'en occupe pas. C'est aussi de sa responsabilité. Et puis, dans les acteurs, il ne faut pas oublier ceux qui vont utiliser les outils. Et là, c'est primordial pour l'utilisation des outils de tous les salariés qui vont être en contact, qu'on crée la confiance, qu'on les associe vraiment dès le départ. Je citais l'exemple d'une entreprise, en fait, d'une étude canadienne qui avait, alors c'était dans une administration publique, mais qui a quasiment valeur, enfin un petit peu sous forme de test statistique, mais le déploiement de 3 systèmes d'IA, un en approche top-down sans associés, une autre en associant un petit peu les salariés, et puis une dernière en associant complètement dès le départ les salariés. Et en fait, le système a été très très bien déployé quand on avait embarqué les salariés dès le départ. Donc on voit bien que pour créer la confiance et entre guillemets faire tomber les leviers, tous les freins, en fait, il faut associer les salariés dès le départ. Voilà. Donc, on voit bien finalement que le levier de la confiance reste un levier, quel que soit l'outil. Mais ce qui est important avec un regard de DRH, par exemple, c'est vraiment de constater, si je prends le domaine de la RH, c'est de voir à quel point nous sommes confrontés à un double défi, celui de la propre modernisation des RH et celui d'un accompagnement particulier de cette transformation. Mais je crois que ce qui est important, et peut-être vous avez des éléments pour nous l'expliquer, c'est que mon sentiment, alors que je ne suis pas une spécialiste de l'IA, c'est que vraiment, l'IA vient tous nous enrichir. C'est-à-dire qu'on soit un représentant syndical, qu'on soit un collaborateur, qu'on soit un décidaire, l'IA vient enrichir nos tâches, vient enrichir notre travail, nous aide à décider, nous aide à prévoir, nous aide à anticiper et nous aide parfois à mieux partager des éléments d'information. Comment est-ce qu'on peut arriver à porter cela au sein d'un dialogue social qui serait un peu rénové et enrichi, justement? Oui, en fait, effectivement, nous, on parle beaucoup d'hybridation, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir arriver à travailler avec cette intelligence artificielle et donc de pouvoir faire en sorte qu'on se l'approprie. Et si on a regardé en fait tous les freins dans le cadre du dialogue social, ça sera une meilleure appropriation ensuite. Après, cet enrichissement, ce dont on s'aperçoit, c'est l'expérimentation sur les métiers, sur la transformation des métiers que nous avons menée, qui nous l'ont démontré, c'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on a un renforcement des compétences métiers. Et donc, si on veut rester, entre guillemets, maître de la machine, au contraire, il faut véritablement maîtriser le métier. Et donc, ça renvoie à des nouveaux... savoir-être. Notamment, ce qu'on a étudié, c'est dans le cadre du manager.
Parce que lui, il est amené à encadrer donc une équipe de salariés donc qui doit utiliser les outils. Lui-même ça va transformer sa manière de décider également, parce que les décisions, il va devoir faire appel en fait à ce nouvel outil. Il va devoir aussi développer, en termes de soft skills aussi, ce qu'on appelle aussi l'esprit critique, c'est-à-dire que avoir le recul nécessaire pour éventuellement voir quand entre guillemets la machine déraille et ne va pas lui dire forcément ce qui est juste, mais au contraire va l'aiguiller sur un mauvais chemin. Et donc c'est tout ça qu'il faut en fait accompagner. Et donc, dans le cadre, enfin, pour nous, c'est un sujet à part entière de dialogue social, c'est cet accompagnement de cette transformation, tant du point de vue à tous les niveaux, c'est-à-dire des salariés, du management, du décideur, pour que la transformation se passe le mieux possible. Voilà. Oui, alors, donc, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, nous avons cette partie de transformation, donc, qui nous conforte dans l'idée que l'IA n'est pas un objet de dialogue social comme un autre. On voit bien qu'il faut développer les soft skills, qu'il y a des changements dans les organisations. Et puis ensuite, il y a un aspect peut-être que nous pourrions aborder, c'est de dire qu'est-ce que l'IA apporte au dialogue social ? C'est-à-dire... cette montée en compétence du dialogue social, c'est-à-dire on va travailler sur beaucoup d'informations, beaucoup de données, on va pouvoir anticiper, on va pouvoir réfléchir à des leviers. Est-ce que ça, vous avez pu aussi y réfléchir et toucher du doigt à comment effectivement les partenaires s'emparent de l'IA pour travailler le dialogue social autrement? Oui, alors ce qu'on a mené comme expérimentation aussi, c'est avec, et que je remercie, la Banque Populaire Grand Ouest, où on a en fait expérimenté un peu une nouvelle forme de dialogue social, un peu dialogue partie prenante, en faisant intervenir, et c'est là tout l'enrichissement du dialogue social, si je puis dire, à la fois les experts métiers, parce que les experts métiers, eux, apportent leur expertise, y compris aux représentants du personnel, et ils participent grandement à la démystification. Et donc, c'était très riche d'avoir cet atelier entre, d'une part, les représentants du personnel et les métiers, les experts métiers. Et donc, on voyait qu'effectivement, ça participait grandement à la démystification. Et puis, comme on était dans une banque et que, dans le cadre du règlement européen sur l'IA, notamment les algorithmes sur les crédits, les notations de crédit sont considérés comme étant à haut risque, que les conseillers donc vont devoir ensuite expliquer auprès des clients la note et pourquoi ils sont dans telle catégorie et pas telle autre catégorie. On a mené aussi une deuxième expérimentation là qui était entre les représentants des salariés et les représentants des clients. Et on s'est aperçu, et l'idée aussi, c'était de pouvoir relever tous les freins. Et en fait, avec une méthode un petit peu spécifique au cabinet qui nous accompagnait, et qui avait mis en place la technique qu'ils appellent du faussaire, c'est-à-dire qu'ils faisaient dire à un groupe voilà ce qu'eux pensent de l'IA, voilà les freins et voilà ce qu'ils pensent aussi ce que ça va apporter, et de la même manière au groupe des clients. Et en fait, on s'apercevait que si on était dans le côté du groupe des salariés ou dans le côté des clients, les freins étaient quasiment identiques. Donc, il y avait vraiment tout intérêt à, je dirais, partager un petit peu avec ce dialogue renouvelé et enrichi
Parce que ça permettait, entre représentants des clients et représentants des salariés, de voir que finalement, celui qui allait utiliser et l'expliquer, il avait les mêmes craintes que celui qui allait recevoir l'information. Et ensuite, vu que les craintes étaient levées, celui qui devra expliquer sera beaucoup plus enclin à aller lever les doutes éventuels du client. Voilà ce que cette expérimentation nous a montré. Donc on voit bien qu'on est sur un dialogue, je dirais, à la fois avec les métiers, qu'on va qualifier un peu de dialogue technologique, pour nous, et on va d'ailleurs continuer le travail de ce côté-là, et puis un dialogue partie prenante, parce que effectivement, quand on est en relation avec la clientèle, il faut prendre en compte aussi, si on veut créer la confiance, il faut prendre en compte l'avis du client. J'aurais encore une question dans le cadre de ce dialogue social autour de l'IA, mais qui tourne également, qui est pour l'essentiel, c'est quoi ces données, d'où elles viennent, comment elles sont traitées, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les partage, qu'est-ce qui nous garantit finalement qu'elles sont fiables et qu'elles sont sécurisées. Comment est-ce que, qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme cadrage et comme outil dans notre dialogue social à l'ensemble des partenaires sociaux et des acteurs du dialogue social? Alors, déjà sur les... Effectivement, vous le rappelez, l'IA sans... Enfin, il n'y a pas d'IA s'il n'y a pas de data, comme on dit. Le point déjà crucial dans un système d'IA, c'est la qualité de la donnée. Et c'est pour ça que je rappelais celui qui va qualifier et dire si la donnée est bonne ou pas bonne, c'est en fait l'expert métier. Parce que lui, c'est son métier, donc il pourra dire voilà, c'est bon ou c'est pas bon. Ensuite, le cadre, déjà dans le cadre des données, on a le RGPD, on a des outils. Avec notamment le registre des traitements. Et donc, nous, dans les propositions qu'on a faites sur le système d'IA et vis-à-vis de... qui pourrait faciliter aussi le dialogue social, à l'instar du registre des traitements, on a proposé un registre de système d'IA comme le registre des traitements, c'est-à-dire qui répertorierait au sein d'une entreprise tous les systèmes qui sont utilisés, comment ils ont été justement audités, qualifiés, comment ils sont vus du point de vue du règlement IA en termes de niveau de risque, enfin tous ces éléments-là. Qui sont de nature à, entre guillemets, rassurer et assurer aussi une certaine transparence. Alors, si je reprends le sujet de notre table ronde, qui est comment le dialogue social et l'inclusion peuvent faciliter l'adoption de l'IA de l'entreprise, Raphaël, ce que vous nous avez indiqué, c'est qu'effectivement, dans les acteurs du dialogue social, ce qui est important peut-être d'inclure, c'est les experts métiers, et c'est éventuellement d'inclure d'autres parties prenantes qui peuvent apporter à la fois leur regard, leurs besoins, leur intelligence. Et puis ensuite, on voit bien qu'il faut développer un accompagnement au changement au regard d'autres modes de fonctionnement et d'organisation, beaucoup plus prégnant finalement, parce que beaucoup plus large que d'autres transformations technologiques dans notre histoire nous avons pu vivre. Peut-être avant de passer à une partie où on pourrait s'attacher à ce serait quoi le contenu du dialogue social avec ses parties prenantes qui seraient mobilisants pour favoriser et inclure l'IA dans l'entreprise. Essayez de voir, est-ce que l'un d'entre vous a, à ce stade-là, une question à poser? Merci.
Merci beaucoup pour tous ces témoignages qui est très riche. Alors, moi, Sébastien Meunier, je représente un groupe industriel, ABB, et on est fournisseur de technologies, notamment qui embarquent de l'IA. Alors, j'avais deux questions qui sont peut-être un peu aussi pour vous deux. La première, c'est ce que vous décrivez dans la nécessité d'être en amont, d'inclure toutes les parties prenantes pour conduire le changement, c'est des aspects qui sont généralement nécessaires pour tout déploiement d'outils informatiques. D'ailleurs, quand les déploiements informatiques échouent, souvent, quand on regarde les causes de l'échec, on se dit « Ah bah oui, mais on n'avait pas fait la transformation, l'accompagnement au changement qui allait avec. » Et simplement, dans les outils informatiques qu'on déploie depuis des dizaines d'années maintenant, il se trouve que l'IA est particulièrement puissant en termes d'impact à la fois fonctionnel, mais aussi sur la façon d'utiliser l'outil. Parce que tout le monde sait que c'est l'homme qui s'adapte à l'outil et pas l'inverse. Mais bon, ça c'est une petite blagounette. Et donc, comment vous faites pour reconnaître qu'il y a de l'IA ? Parce que comme on doit être en amont, et que l'IA, c'est pas quelque chose qu'on peut saisir en soi-même, c'est-à-dire que c'est juste un morceau d'algorithme quelque part. Comment on fait pour détecter en amont que, oups, ça va avoir des conséquences graves dans le futur si on ne s'en occupe pas en amont, dans un domaine où, en fait, vous parliez tout à l'heure de mettre un capteur dans un pneu. Bon, comme il y a des objets connectés un peu partout, c'est peut-être ça va utiliser de l'IA, mais peut-être pas. Et en fait, comment on fait l'évaluation des conséquences pour quelque chose qu'on n'a pas encore déployé, mais si jamais on attend d'être la tête dans le mur, en fait, ça, voilà. Dans le règlement européen de l'IA, justement, il y a toute la partie des bacs à sable, donc d'expérimentation, mais bien en amont et en amont de la mise en service de l'outil. Donc normalement, si on teste et nous justement, on va mener justement une étude spécifique sur la mise en œuvre d'outils et donc d'associer les représentants du personnel dans le cadre de ces fameux bacs à sable. Ils sont faits justement pour répondre à ces questions. C'est qu'une fois que c'est comme tous les outils, j'ai envie de dire un petit peu critiques, avec des décisions, en général on les teste, on fait des crash tests, et une fois qu'ils ont passé toute une série de tests, on dit on valide. Et c'est pour ça que très certainement on va avoir même des labels, des certifications sur ces outils à haut risque, parce que la réglementation européenne sur l'IA est bâtie justement sur une approche par les risques, avec tout en haut ce qui est vraiment interdit. Ce qui est de niveau très très élevé, ce qui est autorisé mais de niveau très très élevé, et en fait quand c'est de niveau très élevé, de risque très élevé, il y a justement tout un tas d'obligations, dont ces fameux bacs à sable qui doivent, enfin auxquels je vais peut-être laisser pardon. Oui, donc il y a ces fameux bacs à sable expérimentation auxquels le fabricant, l'éditeur doit se soumettre. Et il doit prouver qu'il a bien passé tous ses tests. Quoi, voilà. Donc vous me renvoyez à ma responsabilité de vous avertir sur le fait que, attention, le système, le fournisseur en fait, doit vous avertir en disant, attention, ce que je suis en train de vous proposer, ça contient de l'IA. Ah oui, bah bien sûr. Et voilà. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est... Okay. Oui, oui, non, mais tout à l'heure, c'est pour ça que quand je parlais de leur respect... c'est pas évident, en fait. Même, vous savez, même pour le vendeur, oui, oui. Il n'est pas dans le labo de R&D. Tout à fait. Donc, il ne sait pas... en fait, il n'y a pas un petit drapeau avec marqué « Attention, j'ai de l'IA ». En fait, oui. On ne sait pas. Il a un niveau fonctionnel. Ça embarque de l'IA, mais aussi de l'informatique standard.
Oui. Et en fait, c'est pas évident à reconnaître. Oui. C'est pour ça que tout à l'heure, je rappelais la responsabilité de, de l'entreprise. C'est la même chose d'ailleurs pour le RGPD. Hein, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous achetez une solution toute faite, c'est vous qui êtes responsable. Et là, ça sera la même chose. Hein, c'est-à-dire que le fournisseur, il vous fournira, mais c'est l'entreprise qui mettra en service qui sera responsable. Et c'est pour ça aussi que nous, on dit dans un système comme ça, si on associe les salariés et les représentants des salariés, comme on est sous une réglementation qui est une forme d'autorégulation, en fait, on dit que les représentants des salariés, on se dit ben, ils jouent un peu le rôle de vigie de premier niveau et dont l'entreprise peut se servir. Un DRH que je vais qualifier, pardonnez-moi, intelligent, il va comprendre. Non, mais il va comprendre toute l'utilité de se servir des représentants du personnel en disant, mais en fait, ils vont m'avertir quand il y a un bug ou quelque chose comme ça. Et en fait, je vais entre guillemets sécuriser, mon approche, quoi. Et donc, c'était ma deuxième question qui était un peu plus RH. Non, mais c'est que, en fait, vous parliez tout à l'heure d'impliquer les experts métiers dans le dialogue social. Mm-hmm. Alors, normalement, les experts métiers, c'est pas dans la direction, ça serait plutôt dans les représentants du personnel, puisque finalement, l'expert métier, c'est un salarié comme un autre. Et donc, encore faut-il qu'on ait conscience qu'il faut les mettre autour de la table. Parce que ce n'est pas forcément, d'ailleurs, ceux qui vont être le plus en surface de contact avec les représentants du personnel. Pas forcément. Et pourtant, ils sont indispensables dans la discussion. Alors, évidemment, ça peut être à l'initiative de la RH de les convoquer, entre guillemets, pour qu'ils puissent s'insérer dans le dialogue social. Mais c'est des démarches qui ne sont pas très courantes. Enfin, en tout cas, alors, c'était le témoignage. Voilà, effectivement, ce ne sont pas du tout des démarches courantes. Et donc... Raphaël Berthelon nous encourage vivement à le faire. En fait, alors là, je vous livre juste mon analyse, hein, qui n'est pas du tout... je pense que le dialogue social se déplace, c'est-à-dire que vous aviez jusque-là des représentants des représentants syndicaux qui étaient très centrés sur leur métier, mais est-ce qu'il y avait autour du métier qui était la qualité de vie au travail, la sécurité, la santé au travail, etc. Aujourd'hui, on va leur demander autre chose à ces experts métiers, c'est-à-dire il y a le représentant syndical qui, lui, va continuer effectivement à s'intéresser à ces aspects-là. Et puis, il y a des experts métiers qui ne vont pas être forcément sur la qualité de vie au travail, mais sur le contenu et sur le fond de ce qu'on est en train de partager comme information. Et ça, je crois que c'est la nouveauté de ce qui est en train de se dire, c'est que le dialogue social aujourd'hui doit s'élargir et s'enrichir de tout un travail autour de la donnée, de l'information, de ce qu'on peut en faire, de ce qu'on en fait, de comment on l'utilise, et qui est autre chose finalement de comment je fais mon travail, dans quelles conditions, à quel endroit, avec quel outil, etc. Et donc on n'est plus non plus sur une vision aussi centrée purement informatique, mais beaucoup plus élargie dans les modes de relation, des modes de travail. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas, c'est toutes les réflexions que j'essaie de développer, de développer aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaite intervenir? Je regarde l'heure malgré tout. Est-ce que d'autres personnes ont des questions à poser ou veulent intervenir? Ouais, juste un petit mot par rapport à l'exemple que vous avez pris sur le Canada, sur l'implémentation d'un système et les trois niveaux d'implication, soit quelque chose qui vient vraiment de la direction très top-down, ou si on implique plus
les salariés dès le départ. Est-ce que cette première expérimentation a donné lieu à un peu une recette que les entreprises pourraient réappliquer par la suite, ces premiers enseignements? Est-ce qu'une façon de faire ou un process a pu un peu être imaginé pour essayer de répéter un peu cette expérience positive? Oui, en fait, nous, dans ce projet européen, il y avait les résultats, entre guillemets, notamment avec les expérimentations qu'on a menées. Mais j'ai envie de dire, l'approche que l'on a eue est elle-même aussi un résultat. C'est-à-dire que pendant nos 18 mois de travaux, en fait, quand on a, après le séminaire inaugural avec un certain nombre d'experts, on a voulu cette montée en compétences collective, on a créé ce qu'on a appelé une communauté d'acteurs. Et qui, avec, je dirais, cette richesse très diverse. Donc, on avait bien évidemment des représentants, des représentants des salariés, des représentants aussi des côtés U2P, PME, enfin chef d'entreprise ou profession libérale. Et puis, on a également fait appel à des experts métiers. Donc, on avait des data scientists, voilà que je... et puis également aussi des gens des RH et des experts du droit aussi, des avocats. Et bon, comme on sortait du confinement, mais on était toujours dans le cadre de la crise sanitaire, on a fait beaucoup de webinaires, donc des montées en compétences collectivement avec toute cette communauté. Et en fait, on a vu la richesse des échanges, c'est-à-dire que les personnes qui étaient, les avocats spécialistes, on avait une avocate spécialiste de la formation professionnelle qui nous amenait son regard, bien évidemment les data scientists qui amenaient aussi leur regard, après les RH aussi qui donnaient leur vision. Et on s'apercevait que, en fait, cet échange qui est un petit peu à l'image de ce que Valérie évoquait tout à l'heure, de un peu cette interdisciplinarité, permettait véritablement une montée en compétences collectives et une meilleure appropriation du sujet avec des nouvelles idées. Et c'est comme ça qu'un peu tous ces outils, alors on est en phase finale de rédaction, mais on a publié un manifeste et puis toute une panoplie d'outils et dont des outils applicables aussi en entreprise. Donc je vous renverrai sur le site du projet et puis aussi sur Twitter. Enfin, j'essaierai de tweeter après pour vous donner les informations. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui. Ouais. Oui, je crois que ce qui est important vraiment aussi de dire, mais je pense qu'on en est tous d'accord, c'est que effectivement l'IA apporte à l'entreprise une autre vision de son organisation, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, une vision beaucoup plus horizontale que verticale, avec des centres de décision qui sont plus larges que ce que on peut avoir dans des organisations qui sont plus verticales. Elle a introduit de façon beaucoup, beaucoup plus large le mode agile. Donc ça, c'est un vrai bouleversement aussi pour nos organisations et nous permet aussi pour l'ensemble des collaborateurs de vraiment de travailler à développer les soft skills, puisque effectivement, dans le lien avec la machine, on voit bien qu'il y a un temps qui est libéré et que ce temps qui est libéré peut être utilisé à autre chose et entre autres à d'autres types de relations et d'accompagnement des collaborateurs. Ça, c'est ma vision un peu RH qui reprend le dessus quand je dis ça, mais c'est aussi ça.
Donc je crois qu'effectivement, ce qu'on peut peut-être déduire de ce temps que l'on a passé ensemble, c'est qu'il est urgent, effectivement, que les acteurs du dialogue social s'emparent de ce sujet hein, pour le travailler en commun, que nous avons tous intérêt à partager l'information, la donnée, le cadrage, la sécurisation autour de l'information pour pouvoir développer de plus en plus la confiance en l'intelligence artificielle et à pouvoir l'utiliser. Ce qui veut dire aussi, c'est que au sein d'un dialogue social plus éclairé, on peut donner aussi une vision de l'IA et de son utilisation dans l'entreprise. Pourquoi faire, dans quelles conditions. Et puis, je crois que cette idée, effectivement, d'ouvrir hein, le dialogue social à plus de parties prenantes. Alors bon, on verra, hein, c'est les conseils qui nous sont donnés, savoir comment on peut faire ça, dans quelles conditions, comment c'est accepté aussi dans l'entreprise, parce que les acteurs habituels du travail, du dialogue social sont peut-être pas forcément toujours ouverts à ce qu'on fasse entrer d'autres parties prenantes dans ce dialogue social. Est-ce que ça, peut-être pour conclure, Raphaël, est-ce que les partenaires sociaux sont prêts à accueillir d'autres parties prenantes au sein du dialogue social dans l'entreprise ? Disons que là, sur le sujet de l'IA, nous, on considère que d'avoir un dialogue, parce que j'ai oublié dans la communauté, mais on avait des éditeurs de logiciels, donc qui étaient intéressés aussi, parce que eux, ils se disent que s'ils arrivent dans une entreprise en tant qu'éditeurs et que ils ont une approbation des partenaires sociaux, ça va être beaucoup plus facile vis-à-vis du dirigeant que s'ils n'ont pas l'approbation. Nous, on est parti de la question simple, c'était comment justement créer la confiance et lever tous ces freins. Et en fait, on ne va pas dire qu'on va mettre les parties prenantes sur tous les sujets, mais sur ce sujet-là, éminemment technologique, bien évidemment, enfin pour nous, c'est un plus de pouvoir discuter, y compris avec des éditeurs, de pouvoir discuter aussi avec les experts métiers, parce que c'est eux qui connaissent véritablement le système et qui vont apporter cette confiance et qui vont faire que les salariés, les représentants des salariés vont être en confiance. Et puis, dernier point, c'est effectivement quand je suis une entreprise qui va utiliser des systèmes d'IA, mais que je vais ensuite, alors je ne vais pas utiliser le terme vendre, mais en tous les cas, qui va avoir un impact sur une personne. Donc ça peut être en RH, je fais un tri sur les CV, c'est considéré aussi à haut risque par l'IA Act, donc parce que ça a un impact sur la carrière du salarié, ou je fais un crédit et ça va avoir un impact sur la manière dont on va pouvoir emprunter la personne. Il est bien évident que aussi ces personnes-là qui sont au centre de la décision, il faut qu'elles aient confiance dans le système. Donc, si les salariés n'ont pas confiance, ils ne vont pas pouvoir avoir confiance. Donc, l'idée aussi, c'est de gérer cette confiance-là. Alors, comment on fait, nous, on a, dans l'expérimentation qu'on a menée, on a fait des réunions. Voilà. Après, ça permet aussi de par le dialogue, et c'est surtout ça, enfin moi j'ai envie de terminer là-dessus, c'est vraiment par le dialogue, en échangeant, et dans ce que je disais au départ, c'était même la même chose. Je dirais pas que c'était très tendu entre les réparateurs automobiles et les assureurs, hein, parce que chacun se renvoyant la... Et en gros, c'était la faute de l'IA, quoi, si je puis dire. Mais personne n'essayant... c'est par le dialogue qu'en fait, on voit ce qui véritablement est de l'IA, est le fruit de la décision. Et puis, ce qui n'est pas forcément aussi... parce que j'ai envie de dire, des fois, l'IA a bon dos, quoi. On va se débarrasser et on va dire oui, c'est la faute. Donc, c'est par le dialogue qu'on peut créer la confiance, quoi. Voilà.
Je vous remercie. Donc, peut-être avant de terminer définitivement, est-ce que quelqu'un a encore une question à poser ou envie de s'exprimer sur ce sujet? Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre écoute. Au revoir.